Konnichiwa, et nous voilà pour un nouveau review d'un manga que je n'ai jamais parlé sur ma chaîne. Il s'agit de Prepara. Qu'est-ce que Prepara ? Prepara est en fait un jeu vidéo qui a été adapté plus tard en manga. Ils ont tous les deux été créés en 2014. Le créateur du jeu vidéo est Shin Sophia, alors que celui qui a créé le manga est Itsuji Torinaga. Il a été plus tard, bien sûr, comme la plupart des mangas célèbres, était adapté en animé et ça a été dirigé par Makoto Moriwaki. Pourquoi je vous dis tous ces noms? Tout simplement parce qu'il y a quand même une différence entre celui qui a créé un jeu vidéo, un manga, une télévision. C'est comme si je disais que moi j'ai créé le manga Sorcellerie alors que je n'ai même pas créé l'animé. Vous comprenez? Voilà la différence. Voilà. Ça raconte en fait l'histoire. En fait, c'est dans un univers de prismes, de magie, d'idoles, d'amour, d'humour, de tout ça, quoi. Un peu à la... je l'ai sur le mot de la bouche, Amélia, je l'ai oublié, désolé, voilà. De prismes Aurora, voilà, je me souviens. Tout ça, voilà. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est fan d'idoles, en fait. Mais un jour, enfin, comment ça, mais un jour, mais tout simplement... elle n'a pas le droit d'aller suivre des aventures dans son école. En effet, la directrice déteste ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûr qu'il y a une grande raison pour cela. Peut-être, je ne sais pas plus, mais voilà, je ferai peut-être des hypothèses, des théories dessus plus tard. Voilà. Mais en effet, elle nous a pas montré très bon caractère, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas si méchante que ça. Il doit y avoir une raison derrière cela. Et comme je vous disais, je n'ai vu que l'épisode 1. Honnêtement, je voulais ce review parce que j'ai complètement capté cet épisode et je l'adore déjà, ce manga. Voilà. Donc, je ne peux pas vous en dire plus pour la suite, mais ce que je sais, à la fin, il va faire la rencontre d'une jeune fille qui est une idole et vont toutes les deux se produire avec. Je vous en dis pas plus, je ne vais pas vous spoiler. Voilà. Donc, je vais vous parler de ce que je connais. Voilà, on va parler des OST. Qu'est-ce qu'un OST? C'est les petites musiques que vous entendrez, d'ailleurs, par exemple, que les restes, etc. Voilà. Là, les musiques sont très belles, je les adore. Ils sont pas invisibles en fait. On n'est pas sensible à leur musique. Au début, on entend une petite musique japonaise, je crois que c'était le générique, en fait, c'était le début de l'anime. Et c'est très beau, honnêtement. Ensuite, les images. L'image est magnifique. Franchement, magnifique. Voilà, exactement. C'est très beau. C'est très bien travaillé. C'est très bien dessiné. Les personnages sont hors couleur. Honnêtement, vous allez adorer ce manga. Et je vous conseille de le regarder. Elle était publiée sur la chaîne Hello, la Kawaii. Je vous conseille d'aller voir qu'elle publie de nombreux mangas autres que Killary et Pretty. Voilà. Ensuite, que puis-je de l'image? J'aurais bien aimé que la troisième session de Killary soit dessinée comme ça. Ça aurait été vraiment génial. Voilà. Ensuite, pour les petits plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais une des personnages ressemble étrangement à Eira dans Pretty Rip. La théorie que m'a dit Elou serait que ce serait la prédécesseur, je ne sais pas si on dit comme ça, de Pretty Rip, ou un univers parallèle. Mais on ne sait pas plus. Voilà. Ça pourrait être super. Enfin, on ne sait pas plus, mais elle ressemble trop. Honnêtement, c'est obligé que ce soit vrai. Elle se ressemble trop, honnêtement. J'ai pas encore vu dans l'animé pour l'instant. Peut-être que vous savez. J'aimerais que vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Voilà. Bon, ben, je ne sais pas. Je voulais grand chose à ajouter. L'épisode, je le note une note de 9,5 sur 10. J'aurais bien voulu mettre 10 sur 10, mais je n'aimais pas la perfection. Tout simplement parce que j'ai tellement kiffé l'épisode que j'ai même pas envie de mettre une bonne note. Voilà, non, sincèrement, il est vraiment super. Et j'attends de voir la suite, en fait, tout simplement pour vraiment mettre une note définitive. Voilà. Bon, bah, sur ce, je vous conseille de manger, de regarder un bon animé. Et sur ce, je me répète, sayonara.